Salut les gars, aujourd'hui on est à Jolimont, dans le quartier de Jolimont, à Toulouse. Et aujourd'hui on va tester les roues mini logo que j'ai achetées en fait. Bon, du coup c'est des 54 mm en 95A. C'est des roues idéales pour le street, pas trop dures, pas trop molles et assez grandes en fait pour pouvoir rouler sur des pavés. C'est assez agréable à skater en vrai. Je vous conseille si jamais vous faites du street de prendre ce type de roue. Enfin, en tout cas, pour le street, il vaut mieux prendre tout ce qui est en dessous des 100A. En fait, faut pas prendre du 100A pour le street. Le 100A, c'est réservé au skatepark. Parce que c'est super dur. Donc, du coup, pour rouler sur des surfaces qui sont pas lisses du tout, c'est pas agréable, le 100A. Donc, prenez du 95A ou du 85A. Après, en dessous, c'est inutile après un 85A. Parce que c'est beaucoup trop mou. Voilà. Donc allez, c'est parti, je vais vous tester ça et je vais vous donner ma note. Donc voilà pour ce test des mini logo wheels. Donc faut que vous fassiez aussi attention si vous avez l'habitude de skater du petit diamètre tel que le 52 ou le 53 et que vous passez au 54. Bon, il n'y a pas une grande différence d'écart, mais en vrai ça roule beaucoup plus vite. Ça roule deux fois plus vite que les roues dures qu'on skate d'habitude en parc. Donc faites attention à ça. Donc voilà, après au niveau de ma note, pour moi c'est de très bonnes wheels, je suis très content. Je vais mettre un 9 sur 10, voilà, parce qu'elles sont pas chères, elles sont entre 20 et 25 euros, ça dépend des sites d'internet ou des shops dans lesquels vous les achetez. Et franchement c'est de la très bonne roue. Voilà, allez, bon skate, bon déconfinement, gardez vos distances, n'oubliez pas qu'il y a encore le Covid-19. Voilà, ciao!